Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Point Virgule, le magazine de Guichen TV consacré à l'actualité du livre. Une première partie d'émission consacrée, passée aujourd'hui sous le signe du divertissement, avec tout d'abord une bande dessinée parue il y a quelques mois, signée par Deux Valeurs Sûres, le dessinateur André Julliard et le scénariste Yann Mézek. Pour contexte historique, la guerre d'indépendance d'Israël, une page de l'histoire très peu abordée en bande dessinée. Alors le Mézek qui donne son titre au livre, c'est le surnom donné à l'un des rares modèles d'avion utilisé par les tout premiers pilotes de ce qui allait devenir l'armée de l'air israélienne. Un mot tchèque en fait, qui signifie mule, une manière d'évoquer le poids très élevé de ces appareils. Et puis parmi les pilotes qui maniaient ces Mézek, eh bien, c'est un fait historique attesté par les auteurs, des volontaires juifs, mais aussi des mercenaires venus d'un peu partout. Le héros de cette BD est l'un d'entre eux. Alors n'en disons pas plus, si vous aimez les récits d'aventure, les dessins type ligne claire, et si naturellement vous vous intéressez à la lutte que le tout jeune État d'Israël a dû mener pour sa survie, Mézek est pour vous une bande dessinée d'André Julliard et de Yann, parue aux éditions du Lombard. On ne compte plus les ouvrages consacrés au fameux humour juif. Parmi les derniers en date, l'ABC d'hier, incomplet de l'humour juif, 24 auteurs de périodes et de pays divers, et autant d'exemples de ce qu'a été et de ce que continue d'être l'humour juif. Parmi les auteurs, un spécialiste de la question, le regretté Henri Boulafko, décédé il y a quelques semaines à peine. Signalons aussi deux écrivaines qui nous ont fait le plaisir de participer à Point Virgule au cours de ces derniers mois, Catherine Fugue et Shoshana Boukobza. À signaler également qu'un DVD est fourni avec le livre, il contient des commentaires de plusieurs experts reconnus de l'humour juif, dont Gérard Rabinovitch, déjà auteur il y a quelques années d'un ouvrage intitulé « Comment ça va mal, l'humour juif, un art de l'esprit ». Abécédiaire incomplet de l'humour juif est paru aux éditions Folie d'encre. À signaler que pas moins de trois autres livres consacrés au même sujet viennent de paraître ou paraîtront prochainement. La réédition de la Bible de l'humour juif de Marc-Alain Wachnin aux éditions Michel Lafon, l'humour juif anthologie littéraire, un recueil paru aux presses de la Cité, et dans un tout autre registre, l'officiel de l'humour juif de François Jouffa, Sylvie Jouffa et Frédéric Pouillet, paru lui aux éditions Général First. Seconde partie de Point Virgule, dans quelques secondes, Laurent Lévy est mon invité aujourd'hui. Rebonjour et merci d'être resté avec nous pour cette seconde partie de Point Virgule, le magazine de Guichen TV consacré à l'actualité du livre. Comment réussir à un niveau individuel, à un niveau au niveau de la société, de l'entreprise et peut-être aussi à d'autres niveaux, on va le voir avec notre invité. C'est le titre de ce livre que je tiens actuellement et que je montre à l'écran, les 7 clés pour réussir. C'est donc un manuel en quelque sorte et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Point Virgule l'auteur de ce livre, Laurent Lévy. Laurent Lévy, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Point Virgule, le magazine du livre sur Guichen TV. Alors les 7 clés pour réussir. Je rappelle, dans un premier temps quand même, Laurent Lévy, que vous êtes opticien, lunetier, que vous avez fondé un réseau de magasins d'optique qui s'intitule Optical Center et que très nombreuses personnes connaissent en France, hein, de très nombreux magasins répartis à travers le pays. Donc vous avez réussi d'une certaine manière et vous avez voulu, c'était important pour vous, de faire partager ce qui vous a permis d'arriver là où vous êtes actuellement. Oui. Le point de départ, c'était déjà d'aider nos managers, d'aider nos collaborateurs, nos opticiens, nos audioprothésistes à réussir. À réussir leur vie professionnelle, bien sûr, mais également à réussir leur vie personnelle, parce que c'est étroitement lié. On agit de la même façon au travail qu'à la maison, et tout ce qu'on peut voir, c'est un comportement. Ce comportement, il vient de l'éducation, au départ, puis ensuite il vient des rencontres, à l'adolescence, puis ensuite il vient avec la création de famille et il vient également par l'entreprise. Et cette méthode-là, en fait, a été mise en place pour les managers au départ et aujourd'hui, j'ai décidé de la transmettre au plus large. Est-ce que vraiment il y a des points communs entre la réussite au niveau personnel, au niveau familial et au niveau de la société, au niveau de l'entreprise? Parce que quelque part, on peut peut-être même être un petit peu choqué par ce mélange des genres. La famille, c'est le domaine des sentiments, c'est le domaine de l'entraide. La société, le monde de l'entreprise qui est parfois assez rude, c'est au contraire le domaine de la concurrence, le domaine de la marchandise. Est-ce que vraiment on peut mélanger ces deux dimensions? C'est indissociable. Vous n'arriverez jamais à vendre la moindre paire de lunettes si vous ne mettez pas du cœur dans ce que vous faites. Mm-hmm. Si votre client, vous ne révélez pas sa personnalité avec l'objet que vous allez lui donner.
Et rentrer dans un magasin, quel qu'il soit, et vous sentez déjà une atmosphère. Vous n'avez pas dit un mot, et pourtant vous sentez une atmosphère. Vous sentez s'il y a du stress, vous sentez s'il y a une bonne ambiance, vous sentez s'il y a du cœur ou s'il n'y en a pas. Donc ce cœur vient d'où ? Cette émotion vient d'où ? Qui est impalpable, elle vient du ressenti des gens qui sont dans le magasin. Donc on ne peut pas dissocier la façon dont on se comporte à la maison et en entreprise. Et donc la manière dont on se comporte en entreprise doit être influencée par le père que l'on peut être, la mère que l'on peut être. Bien sûr. Bah, évidemment, chez Optical Center, on a toujours recruté des individus et non pas des diplômes et non pas des CV. Le CV, on le regarde deux minutes, mais ce qu'on voit surtout, c'est une personne. Une personne qui va rentrer dans votre bureau, en moins de 10 secondes, vous arrivez à savoir si oui ou non elle parle à faire. La façon dont elle va marcher, la façon dont elle va être habillée, la façon dont elle va vous regarder. En 10 secondes, vous avez déjà une grande idée. Et tout le reste de l'entretien va être juste pour compléter votre première idée de départ. 7 clés pour réussir, pourquoi 7 et pourquoi pas 6, pourquoi pas 8 ? Pourquoi pas 6 ? 7 déjà, c'est le nombre fini. Il y a 7 notes de musique, il y a 7 jours de la semaine. Avec les 7 jours de la semaine, vous avez tout pour réussir votre vie. Avec les 7 notes de musique, vous pouvez faire des symphonies, des mélodies d'une façon très harmonieuse. D'ailleurs, le terme de clé n'est peut-être pas choisi au hasard. Parce qu'on est dans le domaine musical, justement. Le terme de clé n'est pas choisi au hasard, évidemment. Et puis on sait que ce qui est au-dessus du 7, c'est le 8. Le 8, c'est l'infini, d'accord ? Vous le couchez. Hein. L'idée, c'est de transmettre une méthode qui soit complète, qui soit globale et qui soit atypique. Oui, il existe beaucoup de livres, beaucoup de méthodes en France, beaucoup plus aux États-Unis. Mais il n'existait pas de méthode qui relie à la fois le management et à la fois la Torah. Et ce livre-là est unique en son genre, dans la mesure où toute la source d'inspiration, c'est la Torah, le Talmud, et ensuite, le monde des affaires n'est qu'une façon de se comporter avec le client, avec le partenaire, avec le collaborateur, mais toujours en suivant les valeurs de la Torah. Dans votre exemple, dans votre parcours personnel, c'est ce qui vous a aidé, selon vous, à réussir, c'est la connaissance des textes, l'étude des textes les plus fondamentaux du judaïsme. Oui. Où va l'être humain, où va l'humanité, quel est le sens de ce qu'on est en train de faire vraiment, c'est où on va. Et à partir du moment où on s'est posé la question pourquoi faire, où on va et à quoi ça va servir si je réussis, bah à ce moment, et qu'on étudie en fonction quelles sont les lois qui régissent les hommes avec les hommes et les hommes avec Dieu, à ce moment-là, il est très simple ensuite, il est très simple ensuite de mettre en place un système de prise de décision, comme on peut le voir dans le livre, un système d'organisation d'entreprise, un système de négociation gagnante, dont les deux parties vont trouver leur force, et de mettre en pratique complètement dans le monde de l'entreprise ce que la Torah nous a transmis. Il est question à plusieurs reprises dans votre ouvrage de la notion de leader, de dirigeant. C'est une notion qu'on a l'habitude de retrouver dans le domaine de la politique plutôt. Bien sûr. Je me suis aperçu que le chiffre d'affaires d'un magasin dépendait de la qualité du leader qui était à sa tête. Alors, on le voit lorsqu'un leader d'un magasin part en ouvrir un autre, bah, si on ne met pas un bon leader derrière, le chiffre d'affaires du magasin va s'écrouler, va tomber. Pendant quelques années, c'était un phénomène que je suivais. Puis après, en travaillant sur le leadership vraiment, je me suis rendu compte que c'était la même chose dans les autres entreprises, puis à la tête d'une nation, puis à la tête d'un groupe. Mais après, bon voilà. Et après, lorsqu'on regarde la Torah, on se voit quoi ? On voit l'histoire d'Abraham, de Joseph, de David, d'Isaac, de Jacob. Ce sont tous des bergers. De Moïse. De Moïse. Ouais, ce sont tous des bergers. Mm-hmm. Ce sont tous des bergers. On dit, mais on est le peuple qui se doit d'éclairer l'humanité. Et dans ce peuple-là, on nous parle beaucoup de personnages, et ils sont tous bergers. Quelle est la force du berger ? Le berger est celui qui est en haut de la montagne, qui arrive à voir son troupeau, dans sa globalité, une vision globale, une vision haute, mais également qui, lorsqu'il y a une seule brebis qui s'égare, est capable d'aller la chercher. Un seul. Ça, c'est la force du leader. Mm-hmm. À la fois, il a une vision globale du monde de l'entreprise, il a une vision globale de ses équipes, mais en même temps, s'il y en a un qui n'est pas à sa place ou un qui ne fait pas correctement son travail, il est capable d'aller le chercher et de le remettre dans le rang. Est-ce que ce n'est pas un petit peu dangereux d'utiliser ces notions, ces comparaisons de berger et de troupeau ? Est-ce que on peut pas, lorsqu'on n'est pas un leader, mais tout simplement un membre d'une société, mal vivre le fait d'être peut-être comparé
Ah, un mouton, quelque part, un rouage, d'une certaine manière, qui doit forcément obéissance au leader sans le charisme duquel eh bien, la société ne parvient pas à réussir. Et c'est là qu'on a l'image du plus grand leader qui apparaît. C'est-à-dire le plus grand leader de tous les temps a été Moïse. Et quelle est la plus haute faculté de Moïse? C'est l'humilité. Et lorsque on met en place un système pour servir le leader, on arrive à ce qu'on appelle une dictature, et ça n'est pas la Torah. Et lorsqu'on met en place un ensemble de personnes pour un projet commun dans lequel chacun va s'épanouir, on arrive, mais dans le but de servir Dieu, comme l'a fait Moïse, dans le but de servir quelque chose qui est bien au-delà de nous, alors là on arrive non pas à avoir un troupeau, mais on arrive à avoir des personnes fabuleuses dans son entreprise. Une dernière question peut-être, Laurent Lévy, est-ce que vous ne craignez pas en dévoilant quelque part, je ne vais pas dire des secrets, mais en tout cas toute une série de méthodes qui aident à la réussite, notamment à la réussite en entreprise, et bien tout simplement d'aider vos concurrents? Le soleil brille pour tout le monde, ok. On a des très bons concurrents, voilà, on est dans un milieu en optique et en audition en France en tout cas, dans lequel il y a des très bons. Et ben, qui s'inspirent et puis qui fassent mieux, et puis tant mieux pour eux. Vous pensez que la lecture de ce livre peut aider tout un chacun, quel que soit son background, comme on dit, quel que soit ses références, quel que soit sa religion également, à ses différentes appartenances, à réussir à la fois dans le domaine familial, dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine individuel? Il y a un seul Dieu, c'est le même pour tous. Je reçois chaque jour sur le site des 7 clés justement pour réussir. Oui, parce que c'est aussi un site internet. Sur le site, oui. Des contacts avec les lecteurs, donc. Et je vois des gens qui ont fait leurs références, je vois des témoignages, je lis ces témoignages. J'en ai rencontré certains, des lecteurs que je ne connaissais pas auparavant. Et oui, c'est bon, je suis très content du retour. Non, les gens qui sont dans l'entreprise, je les connais bien, donc ils le vivent, ils le mettent en application dans leur vie personnelle, professionnelle et compagnie, donc ils le vivent depuis 20 ans maintenant, donc c'est bon. Mais là, ce qui est nouveau depuis quelques mois que le livre est sorti en France, c'est justement ces nouveaux lecteurs, d'accord, qui ne connaissaient pas Optical Center, et qui s'approprient cette méthode-là pour leur vie personnelle et professionnelle. Laurent Lévy, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur le plateau de Point Virgule, émission du livre sur Guicène TV. Je rappelle le titre de votre livre, Les 7 clés pour réussir, que je monte à l'écran, paru il y a quelques mois maintenant aux éditions Vuibert, collection pratique. Voilà, Les 7 clés pour réussir, Laurent Lévy. Laurent Lévy, merci encore. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Point Virgule, l'émission de Guicène TV consacrée à l'actualité du livre. Restez avec nous pour la suite de vos programmes, bien évidemment, sur Guicène TV. Prochain numéro 2.virgule la semaine prochaine.